Bonjour, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ce nouveau numéroscope. Ça fait plusieurs mois maintenant que ça dure, donc sur ma chaîne. Je vous invite à vous rendre sur ma page d'accueil, là où j'ai déposé une vidéo d'introduction pour calculer votre chemin de vie. Et bien, si vous ne savez pas encore, bien entendu, regardez dans le déroulé sous chaque vidéo. Et bah, pour le mois d'avril, hein, maintenant, donc numéro 9, numéroscope 9 pour le mois d'avril. Et je vais de suite tirer votre carte pour la vibration de ce mois. C'est la vibration à laquelle vous allez être soumis ou soumise tout ce mois d'avril. Oh oh. Cristaux, c'est la carte cristaux, donc c'est la carte des anges de Doreen Virtue, guérir par les anges. Et elle vous dit, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Peut-être êtes-vous une adepte des cristaux. Regardez, moi, mes bagues, c'est des pierres. J'espère vrai. Je ne sais pas, en fait. Donc, cristaux. Allez, avec mes cartes personnelles, un complément intuition. Donc, vous êtes sans doute quelqu'un qui a de l'intuition. Donc, on vous invite à vous en servir à bon escient. Allié au cristaux, ça peut être assez sympathique. Peut-être aussi, avez-vous la capacité de guérir avec des cristaux, ou peut-être avez-vous, je ne sais pas, est-ce que vous suivez une thérapie avec un thérapeute qui utilise des cristaux, je ne sais pas. À vous de voir. Voilà, voilà. Par exemple, j'aime bien frotter par exemple mes mains, vous voyez, avec du cristal, comme ça, lorsque je tire les cartes. Peut-être que et je ne suis pas la seule, sans doute, à le faire. Hein. Je vais relire un peu parce que je ne sais pas, elle ne m'inspire pas beaucoup, là, celle-là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le 9, c'est le dernier. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Ok, voilà. Demandez de l'aide aux cristaux. Alors, ça c'est l'énergie. Donc vous êtes sous protection des cristaux, si j'ai bien compris. Tirage, on va dans le vif du sujet, si j'ose dire, pour les numéros 9 et pour le mois d'avril. Le mois d'avril, déjà le mois d'avril. Oh là là, ça passe vite. Le mois d'avril, pour le mois d'avril et pour les numéroscopes 9. Numéroscope 9, que je mets donc ici, voilà. 9, numéroscope 9, que vous attendiez, qu'est-ce qui vous attend plutôt pour ce mois d'avril, les 9, allez, chemin de vie 9, que vous dit votre numéroscope pour ce mois d'avril, on va voir ça, elle est à l'envers, comme c'est pas un... Ce n'est pas un tarot de Marseille, je vais la laisser à l'envers aussi. Oh ben, elles sont toutes à l'envers, presque toutes. Ok. Allez, je vais tirer une au milieu aussi. Ok. Alors, je vous rappelle, homme ou femme, bien sûr, hein, ce sont des énergies, ça n'a pas de sexe. Vous adaptez, tout ne vous parlera pas, prenez ce qui colle à votre vécu, à vos désirs, à votre réalité, laissez passer le moi et puis revenez dessus pour essayer de analyser, avoir votre propre analyse.
Donc ici, je dirais que vous sortez de ce mois de mars, en fait, confiné. Hein, c'est drôle parce que, vous voyez, c'est marqué le 21. Le 21, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Mais ici, nous voyons les personnes qui sont confinées chez elles. C'est bizarre. Hein. Et des grands immeubles, tous éclairés, donc tout le monde est pareil, quoi, à la même enseigne. Donc peut-être tout simplement, cette carte nous parle de votre propre confinement et comment vous avez vécu ça. Visiblement, ils ne sont pas seuls hein, dans l'appartement. Vous avez vécu ça au mois de mars. Peut-être étiez-vous dans une région où c'était confiné. Je suis ici à me dire que quand même, en ce début de mois d'avril, le moins qu'on puisse dire, c'est que au niveau psychisme, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore top, si vous voulez. Peut-être c'était pire au mois de mars, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, ça me laisse quand même penser que ce n'est pas encore. Voilà, il y a encore. Comment dire? Comment je dirais? Il y a encore de. Vous en avez marre, vous voyez? Vous en avez eu marre, en tout cas. Ça arrive à la fin. Ça arrive à la fin. Là, c'est en train de. Ça. La vapeur est en train de s'inverser, mais ce n'est pas encore ça. À un moment donné, je ne sais pas, peut-être avez-vous, au mois de mars, expérimenté vraiment une sorte de dépression, de ras-le-bol, de colère, j'en ai marre, ça rime à quoi? Peut-être du laisser-aller, carrément, carrément du laisser-aller, vous voyez. Ça vous a pris la tête, en tout cas, c'est sûr. Et puis, au niveau, comment dire, boulot, hein, au niveau boulot, ça semble quand même qu'ici, au mois d'avril, ça bouge, hein, ça rebouge peut-être. Si vous travaillez à domicile, eh ben là, il va y avoir déjà plus d'interactions à l'extérieur. À l'extérieur. Hein. Ça ne me semble pas ici que vous soyez quelqu'un qui a des difficultés financières. En tout cas, ça ne me le dit pas pour l'instant. Quoique, c'est peut-être ici vous faites des soucis par rapport à l'argent. Peut-être n'avez-vous pas tort. Parce que il semble ici quand même qu'il y ait un personnage qui devrait ou devait vous aider, qui ne semble pas disposé à aider. Vous voyez, à moins que ce soit vous qui n'êtes pas disposé, mais ici, ça me semble que ce soit quelqu'un qui va vous tourner le dos ou qui vous a tourné le dos, qui tourne le dos au niveau financier. Vous voyez Alors, je ne sais pas si vous avez l'intention de changer de travail pour vous mettre davantage au vert. On dirait que vous avez comme une envie de redevenir un peu l'enfant qui monte aux arbres, vous voyez, redécouvrir la nature, le naturel, peut-être les soins par les plantes et les cristaux, pourquoi pas. Quand même, je tiens à vous dire qu'à l'avenir, si vous aviez un projet d'envergure, voilà, quel que soit le domaine, vous allez, ça va pas être un franc succès si vous voulez, voyez. Vous risquez de rater le coche, vous risquez de rater le but que vous vous êtes peut-être fixé à un moment donné. Il se pourrait bien que ce soit des soucis au niveau financier qui fait que bah, ça ne va pas aller aussi bien que ça aurait dû l'être. Ça glisse, quoi. Ça glisse. Vous risquez, en fait,
bah, de perdre des plumes, quoi. C'est comme si quelqu'un vous suivait pas, c'est comme si les deniers ne suivaient pas par rapport à votre projet, c'est comme si vous aviez si vous n'aviez peut-être pas regardé tous les détails et du coup parti comme une fleur et puis au final vous ratez le coche, c'est bien possible. C'est bien possible. Vous savez, c'est un tirage de cartes, donc prenez évidemment ceux qui collent à votre réalité, mais surtout n'en faites pas une vérité absolue. Et si vous avez un projet, bah, allez jusqu'au bout de votre projet. Hein. Qui n'essaie rien n'a rien. Mais après, il y a les cartes, il y a mon interprétation. Je ne peux vous dire que ce que je vois, je crois voir, je comprends, je crois comprendre, etc. Hein, n'est-ce pas? Donc, waouh! Ici, c'est quoi? C'est le 12. Hein. Vous êtes soumis au mois d'avril, là, pour les 9, il y a une soumission. Alors, ça peut être une soumission à un patron, ça peut être la soumission à un amour, ça peut être la soumission à un travail, ça peut être la soumission à des problèmes, des contingents, des problèmes d'argent, vous voyez, de devoirs familiaux, ce genre de trucs, quoi. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une instance supérieure. Supérieur. C'est comme s'il y avait un devoir qui était supérieur à votre propre volonté, voyez. Même si vous voulez, par exemple, gravir les échelons, changer de travail, quitter un poste pour aller ailleurs, tout ça c'est bien beau, c'est des belles histoires, si vous voulez, ça vous prend la tête et puis pour cause, parce que vous ne pouvez pas en ce mois d'avril bâtir quelque château qui soit, fût-il en Espagne. Voilà ce que l'on me dit. De plus, il y a ici un manque d'appui et peut-être même un manque d'appui au niveau amoureux. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, bah, vous voulez faire, vous avez un désir, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de déménager, d'acheter un appartement, une maison, de changer de région, et votre époux ou épouse bah, n'est pas disposé à vous suivre dans ce projet. Il n'est pas prêt. Ce n'est pas le moment. C'est pas, tous les facteurs au mois d'avril, pardon, ne sont pas là. Ne sont pas disponibles. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment. Pardon, je bois un peu d'eau. Peut-être c'est juste le moment de travailler au niveau, pardon, de votre intuition, de guérir ce qu'il y a à guérir par les cristaux, voire pourquoi pas une nouvelle formation dans les cristaux. Mais si vous vous lancez dans des projets vraiment en dehors de votre quotidien, de votre vie habituelle, eh bien vous risquez de vous paner, c'est-à-dire que vous risquez de glisser, et puis la glissade sera rude parce que il n'y a pas le succès escompté. Je vous rappelle que c'était à l'envers. Hein. Ça, c'est ce que les cartes, ce que les images plutôt des cartes me disent. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas les concrétiser. Attention, je ne dis pas ça. Hein. Je dis simplement que c'est remis à plus tard. Hein. Parce qu'au mois d'avril, ce n'est pas le bon moment. Tout n'est pas réuni pour aller vers une réussite. Après, vous êtes libre de le faire quand même. Hein. Ouais, mois d'avril, il y a des préparatifs, c'est peut-être l'heure des préparatifs, vous voyez. C'est le moment de communiquer, de mettre en place les choses. Mais ce n'est pas le moment de passer à l'action concrète. Pour des nouveaux projets, j'entends. Hein. Pour des nouveaux projets, pour quelque chose qui n'a rien à voir avec votre quotidien. Qu'est-ce que je pourrais ici? Ah oui, bah, là, bien sûr, les archanges. Les archanges. Que me disent les archanges?
les archanges de Doreen, normalement en anglais on dit Doreen Virtue, qui m'a été offert, ces cartes m'ont été offertes par un abonné qui connaît mon adresse, qui est une des rares. Voilà une autre carte. Voilà, encore une. Il y en a une qui, là qui veut tomber. Hein. Celle-là, elle veut sortir. Hein, celle-là. Voilà. Je remélange tout. Un conseil. Hein. Allez, les archanges. Un conseil pour les 9, le numéroscope 9. Le conseil pour. Ben voilà, elle est sortie. Allez, que nous disent les archanges pour vous? Alors, elle a voulu sortir celle-là. C'est Ariel. Vos rêves se réaliseront. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Alors, vous voyez? Donc, il y a l'arc-en-ciel, ici un arc-en-ciel, hein, magnifique. Hein, vous êtes sur le cheval. Vous y allez. C'est juste qu'au mois d'avril, bah, ça ne va pas encore être à l'apothéose. C'est tout au niveau de vos projets, de vos grands projets. Force et grâce exprimées à travers de la gentillesse, confiance en soi, pardon. Et puis ici, je vous dis, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Quête spirituelle. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, ici, là, ça va aller mieux. Hein. Ce n'est pas encore top au début avril, mais ça va aller de mieux en mieux. Et puis, vous allez retrouver votre capacité à affronter les situations, psychologiquement parlant, j'entends, et à maîtriser aussi les situations qui vous stressent, qui vous énervent. Hein. On me dit quand même ici que vous êtes sur le bon chemin, donc vous voyez, si vous avez des projets, quels qu'ils soient, vous êtes sur la bonne voie, vous ne vous êtes pas écarté de votre voie. Ça, c'est déjà important à le savoir. C'est juste que des choses se concrétiseront plus tard. Plutôt la fin du mois, activité débordante, les résultats ne se feront pas attendre, communiquer est primordial. Vous voyez, ça correspond tout à fait. Ce n'est que partie remise en quelque sorte. Hein. Donc, l'archange Raziel vous dit, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Voilà. Le mois d'avril, en fait, c'est un mois où vous planifiez, peut-être, où vous avez comme ça des souhaits, des désirs, mais ça reste, vous voyez, plus intériorisé. Il y a encore de la guérison ici. Le but ne sera pas atteint au mois d'avril, mais tout va être mis en place pour y arriver justement. Et c'est ça qu'on va retenir de ce tirage. Faites ce que vous dites votre cœur. Amour au foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Vous voyez, l'intellect, l'intuition aussi, je dirais, je rajouterais. Le conseil pour vous en ce mois d'avril, très cher 9, numéroscope 9 pour le mois d'avril, c'est Gabriel qui vous le donne. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Oui, voilà, entreprendre, voilà le mot juste. Vous voyez, c'est rigolo ça. Entreprendre, mois d'avril, vous allez entreprendre, mais ça ne va pas être la concrétisation. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà, ça c'est le conseil pour le mois. Waouh, ça c'est vraiment concordant, j'adore. Au niveau sexuel, est-ce que au niveau sexuel ça fonctionne pour vous? Désolée si je suis indiscrète.
Alors, je ne vais pas montrer ces cartes parce qu'elles sont un peu hard et que ces vidéos sont accessibles à tous. Donc, je vais juste vous transmettre le message. On vous dit qu'il y a une rencontre possible pour les célibataires. Alors, si vous n'êtes pas célibataire, évidemment, ce n'est pas pour vous. Et si vous êtes en couple et que vous vous laissez tenter, essayez de ne pas vous faire piéger. Ah, à tout savoir. Alors, un message avec des cartes personnelles, donc d'espoir. Hein. En principe, c'est des messages d'amour, n'est-ce pas? Pour les neuf, pour le mois d'avril. Alors, que me disent ces cartes? Mets tout ton espoir dans tes projets. Et c'est un très joli dessin. Voilà, gardez espoir. Voilà ce que ça dit surtout. Et si vous avez en tout cas, je vous invite à poser une question claire, nette et précise. Une question qui appelle une réponse par oui, par non, quel que soit le domaine. Je vais retourner cette carte qui vous donnera la réponse en précisant que ce n'est pas parce que ce ne sera pas oui ou non selon votre désir c'est définitif, bien sûr que non. C'est juste au moment présent, à l'instant T, n'est-ce pas, pour le mois d'avril. Vous pouvez y revenir éventuellement plus tard. Donc, mettez en pause si nécessaire et je vais la retourner. Et la réponse est plutôt oui, mais avec un temps d'attente, donc patience, parce que c'est plutôt oui à votre question, mais vous avez besoin d'attente, de patience. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est ce que je vous ai dit tout le long, hein? Voilà, et je couronne ce numéroscope du mois d'avril pour les numéros 9 avec un message de messagiel, sachant que ce cahier, je l'ai écrit au crayon, donc c'était messagiel, vous voyez, mon premier cahier oracle que j'ai ensuite écrit un livre sur la base, n'est-ce pas? Puisqu'il y a beaucoup plus de messages là-bas. Voilà, donc vous savez tout. Un dernier message pour le numéro 9. J'ai pas envie de lire celui-ci, j'ai envie de lire celui-là. C'est comme ça, je ne sais pas, ça m'est venu. L'ange de vie protège celui qui respecte son intégrité. Comprenne qui pourra. Je vous remercie, vous qui m'avez suivi, chemin 9, pour ce nouveau numéroscope. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker vers le haut tant qu'à faire ou alors s'abstenir. Oui, c'est comptabilisé. Et je vous dis à bientôt, c'est-à-dire au mois prochain. Merci beaucoup.